Voilà. Maintenant, si vous voulez, c'est combien de trous, Mélissa? 17. Sélectionnez les trous. Voilà, et là vous mettez nombre de trous. 17, Enter. Après sortir. Si vous voulez mettre le crochet, là vous avez longueur du saut. Le crochet, c'est. Le saut, donc. C'est combien encore le crochet? 3. 3. Là vous devez mettre 3. Imaginons qu'on a 2 fois 17 boucles. Mettez 17 là, 17 là, et là vous mettez 3. Comme ça, lui va écarter pour les crochets. Ok. Okay. Sortir. C'est plus automatique. Voilà. Et maintenant, elle va vous montrer. On prend pas un petit peu de feuille, hein, c'est juste pour montrer. Hein. On va pas commencer à compter les feuilles, les trucs bien sûr. Mais c'est vrai, bon, il faut la régler. Tu les lis, vous inquiétez pas. Non, mais tu fais la spirale. Appuie sur la pédale. Vas-y, attends une fois. Voilà, comme ça, c'est un beau bazar. Ah oui, elle sait qu'il faut 17 trous, donc elle a coupé elle-même. Ouais, c'est ça. Ok. Ici à le crochet, je sais pas moi, c'est 10 trous à gauche, 10 trous à droite, et on met 10, 10 et le, saut. Le crochet. Le saut vaut pour 3 crochets. En fait, le saut 3, c'est 3 trous en fait. 1, 2, 3, c'est la demi-lune. Ouais, voilà. Okay. On va couper un morceau, deux morceaux, et il y aura l'écart au milieu. Et ça, après, je peux faire. Je sais pas vous montrer parce qu'il faut que je change les mâchoires. On peut le faire manuellement. Bah, ça. Je peux vous montrer manuellement, je vais vous montrer ce que je veux dire. Faisons 2-3 que ça va montrer que ça marche. Et... Le quatrième marchera plus, c'est ça? C'est ça. T'en fais 3, c'est le quatrième, ça marche. Faisons 5. C'est juste parce que le client va dire après 3, ça marche plus. En faisant 5. Sixième va sauter. Obligé, il n'y a pas de sécurité, le cache n'est plus une sécurité. C'est une sécurité à la base, il n'y en a plus, je vois.